pour le mental d'In Records. Non, c'est un pléonasme pour moi. Rap engagé, ça se dit pas. Ça se dit pas. C'est comme monter en haut, descendre en bas. On est d'accord. J'ai commencé le rap de façon ludique. C'était de l'ego trip, c'était de l'amour de la langue française, c'était l'amour de cette musique. Je kickais, j'insultais, c'était. Voilà, je vais être honnête vraiment. Et au fur et à mesure, j'ai besoin d'être utile. Sais-tu vraiment ce que le rap français? Pas une, mais une. Effrayant la ménagère et le jeune cadre dynamique donc panique. Vraiment ta musique, elle a apporté quelque chose de très très fort. Moi je dis franchement, je pense que j'aurais pas choisi la voie de poursuivre des études à Sciences Po si j'avais pas écouté tes albums. Il y a moi, mais on est plein, je pense que t'as marqué toute une génération aussi. Je ne fais pas du rap conscient par opposition à un rap inconscient. Non, je fais du rap conscient parce que c'est un engagement d'homme. J'ai dit non comme Emmy en réhab. Je m'enfermerai pas non plus dans l'image du muslim réhab. Parce que tu sais, être dans le rôle du muslim un peu réhab et tout, etc. Et bah, à un moment donné, tu t'enfermes là-dedans. Tu t'enfermes parce que tu te dis, ma communauté elle me suit et tout, etc. Bon, le rap français, enfin le public du rap français va là où est-ce que le vent va et tout, etc. Donc, tu vois, je vais me contenter peut-être que d'évoquer que ces sujets-là et puis de laisser de côté d'autres sujets. Mais au final, tu t'enfermes dans ce rôle-là. Alors que tu penses être justement affranchi de tout un tas de trucs. Au final, t'es esclave de ton propre, de ta propre image. Je fais ma musique, vous la prenez et vous me suivez. Pourquoi? Parce qu'un artiste, c'est un leader d'opinion. Tu vois, même par exemple quelqu'un comme toi qui m'a donné envie au bout d'un moment, c'est d'ouvrir des livres, tu vois, parce que je n'ouvrais pas de livres. Mon daron me disait il faut lire, nanana, et j'ai des clones qui me disaient il faut lire, je m'en fous, moi j'aime le rap. Si un rappeur ne me dit pas qu'il faut lire, je ne vais pas lire, tu vois. T'as un impact national. Juste un truc. Vous savez, quand j'ai commencé à rapper, même à l'époque du lycée, etc., c'est des albums comme Si c'était à refaire et puis Le combat continue qui m'ont accompagné. Ce genre de disques qui m'ont aidé à prendre des décisions d'hommes, parfois difficiles, ça a peut-être été la cause pour des prises de position spirituelles, des prises de position d'être humain tout simplement. Bref, Kerim m'a beaucoup accompagné dans mon parcours, même artistique jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai jamais eu l'occasion de lui dire, même en privé. Si vous le permettez ce soir, je vais lui dire en public une chanson. Sauf que je me sens vraiment responsable quand je suis devant un micro, quand je suis dans le studio, devant une feuille, je m'adresse à un auditoire.
j'ai une responsabilité, peut-être que mes morceaux vont traverser le temps et je veux justement leur donner un côté épuré de toute insulte, de toute vulgarité. Quand on m'insulte, j'ai malheureusement la fâcheuse tendance à vouloir montrer les dents. Sauf que montrer les dents, c'est qu'en apparence. Au final, c'est pour mieux que tu vois le fond de ma gorge. Peut-être même que tu vois mon cœur, tu vois. C'est ça l'idée. C'est vraiment d'ouvrir la bouche pour que tu ailles voir plus en profondeur. Parce qu'il y a pas mal de rappeurs qui commercialement vendent beaucoup plus de disques que de rockers, que de gens de l'électro, mais qui, au final, ne trouvent pas écho dans les médias. Moi, je suis à la fleur de ma carrière. J'ai envie de bousculer, etc. Peut-être que dans 20 ans, ça sera autrement. Quand j'aurai sa carrière. Espérons qu'il y aura moins besoin. Voilà, qu'il y aura moins besoin. Nécessaire, je pense, pour que les gens comprennent pourquoi il y a eu un titre album. Comment tu vas pas un titre album? Il sera obligé d'être dans un album, ce morceau-là. Alors là, il ne peut exister dans la stratégie. C'est dans la stratégie de. De toute façon, moi, je réfléchis pas en. De protest song, celui-là? Non, Don't Panic. Le projet Don't Panic. Ça t'explique un peu? Bah, pas trop, franchement. En gros, dis-toi que je sors protest song sous le nom de Don't Panic. C'est ça. Protestation, ça sera. Là, c'est un concept que je garde ultérieurement. D'accord. Mais c'est un album que je fais. Ouais, tu fais un album de Panic. Ouais, là, c'est un album. D'accord. Parce que le concept est vraiment fort. Et on n'a pas été au. Franchement, le fait que vous ayez Boniface, il est lourd, hein, franchement, honnêtement. Grave. C'est un truc de fou. Hein, parce que juste avant, je disais plein de trucs sur lui. Bien. Et je me disais, putain, il est vachement bien ce mec, il mérite d'être plus reconnu. En tout cas, par nous, parce que. Il est très connu dans le milieu intellectuel. Moi j'aime son honnêteté, tu vois, sa façon de construire aussi des choses. Ah ouais, c'est un chercheur, tu vois, donc à un moment donné, il a une méthodologie. Et quand tu l'appliques cette méthode-là, tu sais, à des sujets de société ou à des sujets, tu vois, à des...